J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve par terre parce que j'avais envie d'être par terre tout simplement et puis j'avais envie de filmer la vidéo comme ça. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va se retrouver pour vous parler un petit peu des conséquences de la fac à distance auxquelles je ne m'attendais vraiment pas et puis aussi d'un peu l'état d'esprit, etc., l'organisation de la fac, etc. Donc tout ça, je vais vous en parler. Ça fait très longtemps que je voulais vous faire cette vidéo. Si je la fais, c'est grâce à une amie pour vous mettre dans le contexte. Je lui parlais de mes achats, de mon état d'esprit, etc. Et à un moment donné, elle m'a demandé pourquoi je ne filmais pas de vidéos, pourquoi je n'en parlais pas, pourquoi je ne montrais plus rien de ma vie privée, genre typiquement juste mes achats, etc. Pourquoi je ne montrais plus rien de tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une période dans ma vie, il y a quelques années maintenant, et en fait, ça a été le début d'une page de livre. Moi, je prends un peu ça comme des pages de livre, où j'étais au fond du trou, vraiment, ma famille ne m'avait jamais vue comme ça. Même moi, je crois que je m'étais jamais vue comme ça. Et donc, à la fin de cette période, à la fin de cette page de livre, avec du recul, je peux le dire, mais je me suis découverte une nouvelle facette psychologique que je ne connaissais absolument pas, qui est le fait que j'ai réussi à être heureuse grâce à moi et avec moi-même. Pas grâce à quelqu'un d'autre et avec quelqu'un d'autre. Ça a été une sorte de liberté, une délivrance que je ne saurais expliquer, mais c'est ultra agréable comme sentiment. Et en fait, tout simplement pendant cette période ou cette page de livre, appelez ça comme vous voulez, c'est pas que je me suis interdit, c'est que j'ai pas voulu montrer des nouveaux éléments de ma vie privée. Ou en tout cas, chacun mettra le curseur de là où il veut du mot privé, mais je ne voulais pas que certaines personnes soient au courant de nouveaux éléments de ma vie. Et en fait, à partir de ce moment-là, du coup, bah, je ne montrais plus rien de ma vie. C'est pour ça que cette vidéo va être un peu brouillon parce que déjà je sais pas par où commencer et parce que je suis très gênée. J'ai envie de vous parler comme si je parlais à ma pote et que je lui dise un petit peu mon état d'esprit, comment ça s'est passé, etc. Parce que je pense que ce qui s'est passé pour moi, c'est aussi passé pour d'autres gens. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte scolaire, j'avais passé mon bac à distance, enfin, en tout cas j'avais pas passé mon bac en gros parce que c'était le tout tout premier confinement et ils avaient fait passer le bac en contrôle continu. Donc en gros ça faisait déjà une moitié d'année scolaire que je n'avais pas cours et ensuite j'ai eu ma L1. Aujourd'hui je suis en L2 évidemment, mais du coup ma L1, j'ai eu 2 semaines de présentiel en demi-jauge, tout se passait bien, j'aimais bien mes matières, etc. Donc vraiment aucun problème. Est arrivé les confinements et en fait à partir de là, de octobre à mai, je n'ai plus jamais remis les pieds à la fac puisqu'on a aussi eu les partiels en distanciel. Et donc dans ce malheur de confinement à la fac, entre gros guillemets, j'ai adoré. Vraiment la fac à distance. Je l'appelle comme ça parce que c'est comme ça que je l'appelle quand j'explique aux autres, mais moi c'est quelque chose que j'ai adoré. Il faut savoir que j'aime être seule, que j'ai besoin d'être seule. Et du coup, le fait de voir personne, vraiment ça m'a rangée au plus haut point. Je ne suis pas, et encore aujourd'hui, maintenant que je suis en présentiel, je ne suis pas à la fac pour me faire des potes. J'ai pas envie de me faire des potes. Je suis juste à la fac pour prendre des notes et je rentre chez moi une fois que c'est fait. Ça c'est mon état d'esprit, ça c'est moi. Mais du coup, pendant cette fac à distance, vraiment juste, j'étais devant l'ordi pour mes cours, ensuite je travaillais mes cours de moi-même, etc. C'est quelque chose que j'adore. Je dis pas que ça a été facile parce que vraiment il y a des jours où je me suis retrouvée en pleurs tellement on avait de travail. Pour vous donner un petit peu hein, le contexte, je me levais à 6h50 et je finissais à 22h. Les pauses dans mes journées c'était juste les pauses repas. Le reste je faisais que bosser. Mais en fait cette organisation me convenait parce que j'arrivais à avoir une semaine d'avance à peu près sur tout ce que j'avais à faire et le week-end ça me permettait un peu de souffler, même si le dimanche j'avais repris à travailler. C'est vraiment un certain mode de vie et aujourd'hui je ne souffre pas d'être en présentiel. Je dis juste que moi, par rapport à beaucoup d'autres étudiants que je peux comprendre parce que c'est vraiment une situation qui peut être compréhensible même si on la vit pas pareil. Moi j'ai vraiment adoré cette période-là de L1 et donc est arrivée la L2, les présentiels sans jauge. Du coup j'ai connu un amphi plein que cette année et alors est arrivée les sortes de crises d'angoisse parce qu'il y avait trop de monde. Ça m'est arrivé 3 fois en un semestre donc ça va, c'est rien, mais c'était quelque chose de tout nouveau et donc ça j'ai très vite compris que c'est une des conséquences de ma L1 à distance où je n'étais plus du tout habituée au monde. En gros, mon cerveau faisait littéralement une pause sur ce que disait la personne qui était en face de moi, en l'occurrence le ou la prof, et se mettait à écouter tous les petits bruits, ce que j'appelle des bruits parasites, les bruits des stylos, les gens qui toussent, etc. Et c'est comme si, genre, j'avais une sensation d'étouffement qui montait en moi, et puis jusqu'à ce que ça explose en fait. Alors la première, j'ai réussi à la gérer, c'est la deuxième que je n'ai pas réussi à gérer, et bah j'ai dû partir de cours, j'arrivais plus du tout à suivre. Mais tout ça pour vous dire que c'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Je sais que je n'ai jamais aimé le monde. Typiquement, quand j'avais fait, il y a quelques années, le salon de l'étudiant, j'avais fait un malaise, parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Le monde, ça n'a jamais été quelque chose
que j'aime ou trucs comme ça. Je savais très bien que j'avais un problème entre guillemets avec le fait qu'il y ait la foule, etc. Aujourd'hui ça va mieux, mais c'est vrai qu'après plus d'un an et demi finalement scolaire en confinement, c'est vrai que j'aurais dû m'y attendre et non, je m'y étais pas apprêtée. Mais du coup voilà, donc ça c'était une des principales conséquences. La deuxième, ça a été le fait que comme j'étais plongée H24 dans mes cours, je me suis dit que cette année, bah, j'allais faire la même chose, sauf que cette année, j'avais aussi le volley, puisque j'entraîne trois équipes de volley à trois créneaux différents dans la semaine. Et du coup, ma vie s'est résumée de septembre à décembre à cours, volley. C'est tout, vraiment littéralement c'est tout, je n'avais pas de vie à côté ou pratiquement pas, et surtout j'étais dans un état de stress constant, mais vraiment H24, 7 jours sur 7, je pensais qu'à mes cours. Le week-end, autant vous dire que je travaillais. Quand je prends le train le week-end, je travaille dans le train. Et je parle au passé parce que bah là mon semestre s'est terminé début janvier, mais ça a été un état physique et psychologique dans lequel je n'avais jamais été. Donc ça aussi, ça a été nouveau puisque en fait, chez moi, je n'avais pas le temps de transport. Faut savoir que moi, j'ai 40 minutes de transport pour l'aller et pour le retour. Enfin vraiment, il y a eu toute une organisation dans ma tête qui a dû être remise à zéro littéralement, et je ne savais plus rien, je ne reconnaissais plus rien. Il y a eu un temps d'adaptation énorme pour trouver ma méthode de travail, et pour tout vous dire, j'ai trouvé ma méthode de travail 3 semaines avant les partiels, il était temps. En tout cas, ma méthode de travail, de révision, mais ça je vais y revenir juste après si ça peut vous aider. J'ai tout simplement pas réussi à faire une transition entre ma L1 et ma L2 sans que ce soit brutal. Vraiment, ça a tellement été... finalement, ouais, brutal de revoir tout ce monde, d'avoir les transports en commun, de plus avoir le même temps qu'avant, de plus... Parce que moi, littéralement, j'étais tout le temps dans ma chambre en L1, c'est-à-dire que je descendais juste pour manger et je remontais tout de suite après. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu donc les contrôles en présentiel et j'étais tellement stressée, je savais tellement plus comment faire, etc. Puisque moi, j'étais toujours derrière un écran pendant un an, que j'ai quand même réussi à me bloquer le bassin, me demander pas comment j'ai fait. Je m'en rappellerai toute ma vie, le contrôle était le vendredi, et le mardi, j'ai tout de suite eu un problème au dos, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ça doit être le stress, rien de méchant, et le samedi matin, j'avais pris rendez-vous en urgence, en gros, chez l'ostéo, je lui ai expliqué le truc, elle m'a fait, ah bah c'est le stress, et elle m'a dit, vous vous êtes pas loupé, vous avez dû quand même pas mal stresser. Alors, stresser pour des contrôles, ça m'est toujours arrivé, stresser au point de me bloquer le bassin ou me bloquer quelconque autre truc, non, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, donc ça a vraiment été les principales conséquences de ma L1 à ma L2. Et j'ai découvert pour mon semestre 4, donc ce semestre-là, la dispense d'assiduité. Je sais pas du tout si ça existe dans toutes les facs. En gros, tout simplement, la présence au TD n'est pas obligatoire, alors que quand on est assidu, c'est obligatoire. Et certains contrôles de certaines matières sont des dossiers à rendre. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'aller vers là. Ça n'a pas été tant pour le fait que les TD ne sont pas obligatoires parce que je vais au TD. C'est plus pour la manière des contrôles et puis surtout mon état de stress qui était beaucoup trop énorme. Et là du coup c'est un autre stress qui s'est transformé. En fait ce que j'avais bien aimé avec la L1 c'était que typiquement les contrôles de définition etc. par cœur, ils nous les avaient supprimés évidemment. Et on avait plutôt des dissertations à rendre qui pouvaient faire 5, 10 pages, ça dépendait des matières. Et surtout le cours ne suffisait pas. Donc on avait un peu de recherche à faire de notre côté. Et ça c'est quelque chose que j'adore, faire des dissertations de 10 pages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre, devoir apprendre des fiches et des fiches et des fiches de définition pour les recracher en contrôle, ça me gonfle. C'est ce qui m'a fait vraiment aller vers cette dispense d'assiduité. Alors bien sûr, la dispense d'assiduité, il faut un justificatif. Ça peut tout simplement être le fait qu'on travaille, être le fait qu'on soit bénévole dans une association, être le fait qu'on soit parent, etc. Au moins, j'ai quand même quelque chose qui me ressemble un peu plus au niveau des contrôles et je trouve ça hyper important parce que j'étais dans un tel état psychologique. J'étais juste un robot qui était en train d'apprendre des plans et des plans et des définitions et voilà. Mais par contre, et c'est là où j'ai compris que c'était la méthode d'évaluation qui me convenait pas, ou en tout cas pas à 100%, c'est en L1, on avait une disserte de sociologie à faire, j'y ai passé des heures et des heures à faire cette disserte. Mais aujourd'hui, je suis capable de vous répéter le concept de ma disserte, et je suis capable de vous répéter les exemples que j'ai pris, et de vous définir les différents concepts sociologiques, etc., qu'il y avait à l'intérieur. Là, aujourd'hui, je suis plus du tout capable de vous réciter toutes les définitions que j'ai apprises, rien que pour ma sociologie, puisque là aussi c'était en sociologie, j'en avais une cinquantaine, je crois, des définitions, pour en devoir recracher 3. Bon, après ça fait 8 pages, hein, quand vous les recrachez, évidemment. Donc après ça, c'est une méthode de travail qui est propre à chacun. Mais voilà pourquoi j'ai décidé de faire dispenser d'assiduité. Et par contre, du coup, mon stress s'est transformé.
parce que aujourd'hui j'ai le temps d'avoir une vie à côté et c'est ultra bizarre, c'est-à-dire que j'ai le temps de filmer, j'ai le temps de faire mes pinceaux, j'ai le temps de faire un peu de ménage, j'ai le temps de prendre le temps de manger. C'est quelque chose qui est tout nouveau et du coup ça me stresse. Où ça me stressait parce que j'essaye d'y travailler tous les jours, parce que je me dis je ne travaille pas assez. C'est pas possible que je sois passée de H24 en cours ou en L1, je me levais de 6h50 et je me couchais à 22h, et là en début de L2 je faisais que cours volet, à aujourd'hui j'ai le temps de faire cours volet, vie privée et plein de trucs en fait dans ma vie, typiquement aller faire des soldes, ou enfin plein de trucs. Pour moi, c'est pas concevable. Et puis surtout, là, pour l'instant, j'ai le temps parce que j'ai pas encore eu les sujets des dossiers que je dois rendre. Évidemment, sinon, j'aurais pas eu autant de temps. Mais c'est vrai que ça fait vraiment bizarre. Il y a encore eu pas de transition entre le H24 dans les cours et le t'y es plus H24 en fait dans tes cours. Et je pense que je suis pas la seule en fait à ne pas réussir à me caler sur toutes les différentes organisations qu'il y a pu avoir en si peu de temps entre la distance, le présentiel. Même si j'ai beau être hyper organisée et avoir de l'avance, ça c'est ok, ben tout le reste en fait à côté, ma vie à moi et juste moi finalement, pas moi aux études, juste moi. Bah finalement j'ai tout laissé de côté et ça a été une grosse erreur. Heureusement que j'étais bien soutenue, etc. pour pouvoir me relever assez rapidement de cette période de stress énorme. Du coup, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette dispense d'assiduité et par rapport un petit peu à l'organisation de la fac. J'aimerais revenir quand même sur deux trucs. Le premier, c'est pour les contrôles, si ça peut vous aider, moi, dans certaines matières que je pouvais résumer en fiche Bristol, je le faisais. Sinon, pour les matières où vraiment je trouvais qu'on avait beaucoup trop de feuilles, je suis allée tout simplement demander à mon prof de droit privé. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas à réviser sa matière. Parce que j'arrivais pas à la résumer sur des fiches. Et du coup, je suis allée le voir parce que oui, en fac, ils ne vont pas vous repêcher. Les profs, c'est à vous d'aller vers eux. Si vous allez vers eux, évidemment, ils vont vous aider. Si vous n'y allez pas, ils ne vont pas vous aider eux. Bah voilà, parce qu'on est adulte, parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils ont des promos de 500 élèves devant eux. Évidemment, ils peuvent pas les prendre un par un. Mais du coup, en fait, lui, il m'a expliqué que quand il était étudiant, il prenait une copie double et il notait le plan. Et en fait, dans chaque sous-partie de plan, typiquement, vous avez le grand titre du 1 et puis la sous-partie qui le A, et ben dans cette sous-partie il faisait peut-être 6 flèches ou 6 points comme vous voulez, et puis il mettait 6 éléments de cette sous-partie qui sont les plus importants, et les éléments devaient faire une phrase ou deux, mais pas plus. Vraiment deux, c'était le grand grand maximum. Donc j'avais fait ça, et en fait c'est quelque chose qui a hyper bien fonctionné pour moi, et donc la plupart des plans je les ai fait vraiment pour les grosses matières en CM. Et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est quelque chose qui me choque aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup de personnes dire, et notamment les profs en lycée, dire dans Parcoursup « mettez une fac », parce qu'ils acceptent tout le monde et parce que en fait c'est un peu le truc poubelle. Si vous n'êtes pas accepté dans les écoles que vous voulez, au moins mettez une fac, vous serez pas sans rien. Ça après, chacun dira ce qu'il voudra sur ça. Juste simplement vous dire que pour moi, la fac, c'est pas pour tout le monde, et peut-être que c'est même pas pour moi en fait. Mais je veux dire, si à la fac t'es pas autonome, t'es pas organisé, tu sais pas te prendre en charge, ou encore si t'as la flemme de bosser, mais croyez-moi, n'allez pas à la fac. Je pense que c'est aussi pareil dans d'autres écoles évidemment, mais différemment. La fac, c'est vraiment, d'accord, vous avez peut-être 20 heures de cours par semaine, mais je peux vous dire que le travail à la maison, il est énorme. Il faut tout simplement aimer ce système, ce concept, appelez ça comme vous voulez, de aller en cours, s'asseoir, prendre en note pendant 2 heures et se barrer de l'amphi. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Mais en fait, il faut vraiment aimer ce système où il n'y a pas de relationnel. Alors moi, j'adore ça parce que je suis pas à la fac pour me faire des potes encore une fois. Mais je pense vraiment que si on aime être encadré, si on a besoin d'être encadré pour faire les choses, etc., je pense pas que la fac ce soit le meilleur truc. Alors oui, mettre une fac sur Parcoursup pour éviter d'être sans rien peut-être, mais après si ça convient pas du tout à la personne, je vois pas où est l'utilité en fait finalement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop brouillon. Je vous avoue, je suis vraiment très gênée de parler de tout ça parce que bah, c'est la première fois que j'en parle, et j'espère sincèrement que cette vidéo sortira. Je vous avoue, je me suis pas apprêtée ni rien pour cette vidéo, tout simplement parce que j'arrive de la fac, j'ai 8 heures de perm, donc je vais y retourner juste après, mais j'allais pas vous mentir en vous disant que j'étais hyper maquillée, machin, blablabla pour la fac ou hyper apprêtée, pas du tout. J'ai le masque toute la journée, évidemment je vais pas m'amuser à mettre du fond de teint, etc. Chacun fait ce qu'il veut, mais encore une fois j'avais pas envie de me maquiller exprès pour cette vidéo ni rien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres ressentis par rapport à la fac ou même à d'autres études. Du coup voilà, je vais terminer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.
Ain't gonna tell your ass up. Simple as that.